24 jeunes de 10 à 13 ans ont reçu le don de l'Esprit-Saint des mains de l'évêque Monseigneur Susitino Sionepoe en l'église paroissiale de Ifo à Vaitupu ce matin. Après Futuna, les enfants de Ifo sont les premiers à recevoir le sacrement de la confirmation à Wallis. C'est un dimanche particulier pour 24 enfants de la paroisse de Hihifo. Aujourd'hui, ils sont appelés. Appelés à renouveler une promesse faite à leur Dieu lors de leur baptême par ce sacrement catholique de la confirmation et par le sceau de l'Esprit-Saint que l'évêque appose sur le front de chaque enfant. Dans son homélie, l'évêque, seul habilité à l'imposition des mains lors du sacrement, rappelle les dons de l'Esprit-Saint. Dans sa lettre aux Galatées, saint Paul l'apôtre explique les dons du Saint-Esprit. Ces dons qui sont la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Pour résumer en un mot, peuple de Dieu, c'est l'amour. Avec ce sacrement, le cheminement spirituel de ces jeunes catholiques dans leur initiation chrétienne est accompli. Qu'est-ce que tu ressens? De la paix entre moi et Jésus. Parce que c'est le jour où on reçoit les sept dons de l'Esprit-Saint et on reçoit la foi en Dieu. On a reçu les sept dons. Maintenant, on va fêter. On va dire des mots qui nous réchauffent le cœur. Et voilà. Alors, tu m'as parlé des sept dons. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns? La sagesse. L'intelligence et puis le piété. C'est un jour important pour les confirmants, mais également pour les parrains et marraines. Mon rôle est de veiller à ce qu'ils se souviennent de la promesse renouvelée ce matin. De prier pour lui dans sa recherche de vocation. Vocation religieuse ou de mariage, peu importe. Je suis tout simplement heureuse. L'important, c'est le sacrement que mon filleul a reçu. Qu'il comprenne surtout ce que cela veut dire. C'est d'abord ça l'essentiel. Et pour moi, je me dois aussi de prier pour lui. Après Hihifo, les confirmations continuent dimanche prochain dans le sud.